Bonjour. Voulez-vous goûter un de nos échantillons? Ah, ok, merci, oui. C'est bien. C'est quoi? Du vomi. Désolé. Au bout de la rangée 3. Au bout de la rangée 3. Hey, Sylvain! Ouais? Connais-tu ça, toi, les ordinateurs? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il marchait super bien il y a deux minutes, puis là, tout d'un coup, pouf, plus rien. C'est ça? Contrôle à un délit? Ouais, ouais. Bien. Ah, non, je peux pas t'aider. Hey, Emmanuel! Oui? Peux-tu venir ici deux minutes? Oui. On n'arrive pas à faire marcher l'ordinateur. OK, elle veut essayer de l'éteindre puis de le repartir? Non, pas à rien non plus. On retrouve beaucoup de ces canards sauvages au Québec. La femelle protège ses petits, même pendant les vols, et va agir en tant qu'agresseur dès qu'elle flaire un danger. Grâce à sa forme, le bec du mâle joue un rôle comparable à celui d'un gouvernail pour un bateau et lui permet un rendement maximum lorsqu'il vole face au vent. Hey, écoute-moi bien, là. Si tu fermes pas ta gueule et que tu tires pas sur ces canards-là, là, moi, je t'arrache la tête. Ok, excuse-moi, là. Ouais. J'aime ça faire cette voix-là. Sais-tu quoi? Tu ressembles beaucoup à Glenn Close. Ben là, fâche pas, c'est un compliment. Elle est bien plus belle que toi. Merci beaucoup de votre collaboration, madame. Excusez-moi, je fais des sondages auprès des gens qui font des sondages. Ah, OK. Est-ce que je peux poser quelques questions? Ah, ben oui, oui, oui. OK. Alors, quel est le sujet de votre sondage? Moi, je demande aux gens c'est quoi leur marque de croustille préférée. Ah, OK. Hein? Et à quelle fréquence faites-vous des sondages? Vous diriez souvent, quelquefois ou jamais? Ah, oh, mais aujourd'hui, j'ai fait ça toute la journée. OK, donc vous diriez souvent? Non, parce que hier, j'étais à mon deuxième emploi. Ah, et c'est quoi votre deuxième emploi? Je fais des sondages sur les gens qui font des sondages. Ah! Moi aussi, je fais ça! Ah, ben oui, c'est vrai! C'est ça. Ben oui, c'est ça que vous faites! Hey! C'est le fun de rencontrer un collègue de travail! Ah, ben oui! Ah, et trouves-tu que c'est difficile d'expliquer ce qu'on fait aux gens? Ah, oui! Ah, parce que quand t'as jamais fait ça, là, c'est dur de comprendre qu'il y a des gens qui font des sondages auprès des gens qui font des sondages! T'as jamais si bien dit. On a-tu des affaires à se compter, nous autres? C'est bon. On va passer à la ligne suivante. OK, mais pourquoi tu vas pas me demander? OK, je vais, OK, all right. Hey, salut! Hey! Excuse-moi, moi, mes chums, on a comme pris une petite gageure, là. Les autres, tu penses que t'as une permanente, puis moi, je pense que tu prises naturelle. OK, c'est ça. Tout ce que je représente pour toi, c'est l'objet d'une gageure épaisse? Non, ben, on n'a pas vraiment gagé, là. C'est ça. Tu veux prouver à tes chums comment c'est facile de coucher avec moi, puis de me laisser tomber après? Ah. La minute, là, c'est parce qu'on vient de se rencontrer, puis là, tu parles comme si on était sortis ensemble, puis je t'avais laissé tomber. Et... Oui, excuse-moi. Je suis désolée. Excuse-moi. C'est correct. Fait que, finalement, je peux te le demander. Est-ce que tu prises naturelle, mais non, t'as une permanente? Oui, je prise naturelle. Ah, homme d'âme. Ben, merci. J'ai gagné. Où tu vas? Je vais trouver mes chums. C'est ça.
On va leur dire à quel point ça a été facile de coucher avec moi. Oh, tu recommences, là. Excuse-moi. Qu'est-ce que je recommence, non? Tu continues à dire que je t'ai manipulé alors qu'on vient de se rencontrer. Là, je vais m'en aller, je vais aller retrouver mes chums, OK? C'est ça, tes chums. Approchez, tout le monde, la guidoune est arrivée. OK, je vais y aller, là. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Ouais. J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé. Hey, salut Sylvain. Hey, salut. Comment ça va? Bien, merci. Hey, tu joues au baseball? Oh, ouais, dans un club de non-voyants. Ah, ouais. Comment tu fais pour savoir quand la balle s'en vient? Ben, il y a des clochettes dans la balle, fait que quand elle arrive, ben, on l'entend. Ah, ouais, des clochettes, ah, ouais. Pour vrai. T'as-tu ton équipement? Ben, ouais, ouais, attends. Oh! Hey! Hey! C'est bruyant quand même, hein? C'est impressionnant. Hey, on joue dessus? OK, OK. Hey, gang, okay. On joue! On joue avec OK. Bon! OK, fait que. Envoye-la! Tu vas voir! Je cogne dur. OK, d'abord. Sois-en sûr, je te suivrai partout où tu iras doucement. Caresse-moi. OK, bonhomme, tu nous aides pas pantoute, là, débarrasse. OK, monsieur, éloignez-vous du bord, s'il vous plaît. Je vais sauter, je vous dis que je vais sauter. Salut, ça va bien? Oui, ça va. Tiens, essaye avec celui-là. C'est plus facile? Oui. C'est parce qu'il est beaucoup moins lourd que l'autre. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile avec celui-là. C'est bon pour toi, ça. Hey, wow, ça te tente pas de rester immobile à la place? Hein? Hein? Plus facile comme ça? Mmh. Pas de problème. Je suis là pour ça. Hum? Mmh? Puis comment il va? Est-ce qu'il y a une chance de s'en sortir? Ça dépend de lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il est du genre combattant? Oui. OK, dans ce cas-là, je suis pas mal certain qu'il va s'en sortir. Êtes-vous en train de me dire que si c'était pas un combattant, il serait dans le trouble? Je miserais pas sur ses chances, mettons. Attendez une minute, là. Pourquoi sa survie devrait dépendre du fait qu'il soit un combattant ou pas? Il me semble que ça devrait plus dépendre de vos compétences en chirurgie, ça, non? Pas vraiment, non, mais... S'il vous plaît, dites pas ça à personne, OK? Hey, regarde. Encore un nom qui était pas combattant. Tu sais, tu veux que je fasse, moi, tu sais, c'est... Vraiment très heureux de te rencontrer, Catherine. Depuis le temps que mon fils nous parle de toi puis qu'il nous dit à quel point t'es extraordinaire. Arrête, Sylvain, tu vas la gêner. Catherine étudie à l'université. En biologie moléculaire. Oh, on est un petit génie à table! Bon, parle-nous de toi, ma belle Catherine. J'espère terminer mon bac cette année puis me trouver un emploi dans une grande compagnie pétrolière. J'ai deux labradors que j'aime puis même que j'adore. J'aime le ski, j'aime la porno puis je fais partie d'un club de lecture. Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit? Je suis membre d'un club de lecture du quartier. On se réunit tous les mercredis non, soir. Avant ça, juste avant. Ah! Porno. Ah, j'adore la porno. Ah oui, le porno dans le sens de... Dans le sens de porno, là. Des films pornographiques. Je viens de recevoir d'Europe un film scandinave fétiche en DVD. Ah, je pense que t'aimerais ça, mon amour. C'est là que je vous ai vu, vous! OK, y a-tu quelqu'un qui veut du dessert? Thank you.
La porte est là. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on a... Je pense que oui, oui. Toi puis moi? Ouais. Pour vrai? Ouais, je pense bien, ouais. Est-ce que lui aussi était... Ouais, ouais. Voilà, monsieur. Merci. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, un café au lait pour apporter, s'il vous plaît. Excusez, c'est parce que... vous avez un trou de balle dans le front. Ah, oh, non. Qui c'est qui me fait ça encore? Oh, il y avait des crocodiles et des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs. Il y avait des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne, pas même le lion et la jolie licorne. Vous êtes un idiot. Au travail, personne ne vous aime. Mais à moins de vous améliorer, votre vie va être un désastre. Vous êtes aussi bien d'aller vous jeter en bas d'un pont pour mettre fin à votre existence pathétique. C'est Verseau, ça? Ah, excuse-moi, je pensais que t'étais Bélier. Verseau, une minute. Edith, c'est encore moi. OK, là, je suis en rangée des tomates en canne. Puis là, j'ai des tomates rondes, puis il y a des tomates longues. Puis je sais vraiment pas laquelle prendre. OK, lâche pas, Réal. T'es capable. Je vais te suivre au fur et à mesure. Non, je serais pas capable. C'est trop mélangeant. Puis je veux pas aller dans la rangée des shampoings, OK? S'il te plaît, laisse-moi m'en aller. Chérie, le café pour notre cafetière, c'est tout de l'instant. J'ai vu ça de l'instant, je non, écoute-moi, là! Là, il y a du détergent pour l'eau chaude, puis il y en a d'autres pour l'eau froide! OK, raccroche, là, je m'en viens. C'est... OK, Réal, bouge pas. Bouge pas, je m'en viens te chercher. Vous savez, quoi de la bière? Ça va? C'est vrai? C'est correct? Oh, je vais déguster ma bière! Bonjour. Je suis enseignante à la maternelle depuis maintenant 7 ans. J'ai découvert que le meilleur produit contre les maux de tête a pour nom l'anti-maux de tête. Alors, si vous avez eu une dure journée et que vous avez besoin de tranquillité, je vous recommande l'anti-maux de tête. Réduisez les comprimés en poudre et mélangez-les dans leur lait. Oh non, je ne veux pas m'en aller. Non, ça va pas. C'est...
On va le faire. Okay. Encore? Mais c'est comme la 40e fois, genre. Écoute, là, ça fait 3 heures qu'on est là, là. Non, mais vous le faites pas comme il faut, OK? Là, là, regarde, vous êtes fatigué, je suis fatigué, on est tous fatigués, là. Fait qu'on va, essayer de le faire comme du monde, puis on rentre tous à la maison. C'est correct? OK. OK, c'est correct. OK. Désolé. Oui. OK, on y va, ça roule. Bonjour, vous êtes bien chez Réal. Et Catherine, nous ne sommes pas là pour le moment, alors s'il vous plaît, mettez un message. Ouais, je vais prendre celui-là. Ouais, bien, vous le savez où? Dans le bas du dos, s'il vous plaît. Et que j'haïs ma job. J'haïs tellement, là. J'haïs le monde aussi, ils sont têteux. Pognés dans leur petite job plate avec leur petite vie plate. Ils sont tellement ennuyants. Ben, la mademoiselle Cochrane qui s'en vient avec sa face de pitbull enragée. Plus de la bouche en plus. Toujours sur mon dos des maudites niaises. Tu peux t'en aller, hein, si t'es pas content. Hey, irashaimase. Est-ce que vous prendriez un apéro? Non, oh, désolé. J'aime tellement la bière que ma bouche attend pas que mon cerveau y communique l'information. Ben, je vais t'accompagner. Moi, je vais prendre une Sapporo. Est-ce que vous prendriez une Sapporo comme madame? Non, je vais rester avec la bière. La Sapporo, c'est une bière japonaise. Ah! Ah, ben, OK. OK, d'abord, parce que moi, j'ai une théorie là-dessus, hein. C'est pas une question de race. C'est une question de goût. Ah. De mots. Bon, écoute, parle-moi de toi un petit peu. Tu sais, quand t'as pris ta première bière? Je sais pas, là, je m'en souviens pas. Ouais, tu sais, je comprends, la bière, hein? Non, je devais avoir autour de 15 ans, à peu près, là. Le 12 avril 1980. J'ai dit bonjour à Madame Labière, puis ça a été un mariage heureux depuis ce temps-là. Bon, hein? Moi, je suis ici. Labière est là. Ayons du fun. Santé. Santé, santé. T'es-tu correct? Mm-hmm. Oh, ouais, c'est. Juste les yeux me brident un petit peu. T'as pas l'air d'aimer ça vraiment, la bière. Oh, c'est délicieux. Ça fait un job, hein? Ça fait un job. Non, mais t'es pas obligé d'en prendre si t'aimes pas ça. Hein? T'es quoi, c'est... C'est un procès, ça, ou... Si tu veux me juger, oui, je suis coupable. Coupable de ma bière, par exemple. Oh, du wasabi. Ah, oui. Wasabi, ça, j'aime ça, là. Depuis que je suis tout petit, que j'entretiens le même rêve, c'est celui de devenir danseur professionnel. Je pense que j'ai un don. En fait, j'ai plusieurs dons. Je peux chanter, je peux danser, je peux presque mettre mon pied derrière ma tête. Et aussi, je suis un véritable professionnel du stationnement parallèle. Mais aujourd'hui, si vous le permettez, c'est mon don de danseur que j'aimerais partager avec vous. Ha ha ha!
Thank you.